Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve en ce jeudi sur la map La Vallée Agricole pour ma série Ma Petite Exploitation. Je vous explique et je vous montre tout ce que l'on va faire juste après l'intro. Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Avant d'oublier, je souhaite un très 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 bon anniversaire à Jérémy Blanchard. Voilà, salut à toi et bon anniversaire. Quand vous avez des anniversaires et que vous voulez que je vous les souhaite, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit message, vous m'envoyez un petit commentaire. J'essaierai d'y penser. Voilà les amis, je vous passe à tous, bien sûr, le bonjour. Ainsi, enfin, je passe le bonjour aux nouveaux abonnés. Je passe aussi le bonjour à ceux qui me suivent depuis le départ. Merci à vous du fond du cœur. Je suis malade. Oui, les amis. Non, on va pas chanter, mais j'ai les crèves. J'ai du mal à parler. Voilà, donc on va faire un petit épisode sur cette map, cette série qui vous plaît énormément les amis, donc c'est pour ça que je voulais pas ne pas faire d'épisode aujourd'hui en ce jeudi. Voilà, en tout cas j'espère que votre semaine se passe bien. Je passe le bonjour bien sûr à la Farming Family en intégralité, donc on va finir. Vous voyez, j'ai fini de remplir mon petit épandeur, voilà, avec le petit pétafune, voilà. Alors dans les commentaires, oui, dans les commentaires, oui. Je vous avais dit que on changerait la moisse batte, ça m'a coûté la peau du cul, les gars, pour le coup, puisque je vous montre. Donc oui, effectivement, il a fallu que je fasse le crédit, donc je vais rembourser une partie. Voilà, donc on est remonté à 720 000 euros. C'est pas grave, il y a du lait qui va arriver. On est, je vous montre au, on est, bah, on est le 5 septembre. Mardi 5 septembre, merci à mon petit papa valaisan qui m'a donné d'ailleurs le lien de ce mode là où vous avez le jour, le jour, le mois et la date. Le GOE, donc les gars, c'est un mode, je crois qu'il est pas privé, ou il est privé peut-être, mais enfin, du moins, nous on a un mode privé, voilà, donc par rapport aux vaches, voilà, c'est nous on les a dans le mode saison ici directement. Donc vous voyez la propreté, tout ça, il va falloir qu'on s'en occupe. La paille, c'est bon à 100%. Donc aujourd'hui, au programme, on va juste ranger le petit pétafune là, vous allez voir. On va pas s'en servir aujourd'hui. Voilà, je voulais quand même. Mais bon, alors, oui, ça m'a coûté 149 000 euros ou 139 000 euros. La New Holland, elle n'était pas possible, voilà, elle était buggée en plus. Donc voilà, et puis je tenais aussi. Vu que on a le DLC classe, voilà, je tenais quand même à prendre la petite Dominator, la classe la 108. Voilà, elle est quand même super jolie. Je vous montre dans le, je vous montre. Alors moi je vais là, mais je vais ici parce que vous avez tout le matériel classe du DLC. Voilà, on aurait pu prendre la Tucano, mais je trouve qu'elle était un peu grande par rapport à la map. Hein, c'est toujours pareil. On fait bien sûr par rapport à la map. Voilà, c'est pas donc la Dominator, franchement, elle est vraiment exceptionnelle, excellente. On changera à l'avenir, les amis, je vous le dis. On changera le petit pétafune par celui-là. Mais avant de changer le petit pétafune par ce magnifique classe Arion, on va attendre un peu, hein, on va attendre que les finances se remontent un peu. Et du coup, on mettra un batifourche, bien sûr, celui-ci. Voilà, et puis dans le roleplay, bien sûr, je vous prépare autre chose. On va bien évidemment changer par celle-ci, hein, la classe Univrap. On va la changer par celle-ci. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour la simple et bonne raison qu'elle vaut 78 500 et qu'on peut le faire ensemble si vous voulez. Si vous voulez, on peut le faire ensemble. C'est un petit peu dommage, voilà, de pas avoir cette machine alors que le DLC classe vient de sortir. Voilà, c'est quand même un petit clin d'œil, même si celle de 76 max, on n'aura pas assez de toute façon, donc on va pas le faire. Vous voyez, c'est quand même, on va, remarquez, on peut la louer, mais bon, elle vaut 33 000, donc non, on va pas la vendre. On le fera plus tard, bien évidemment, quand on aura des sous. Quand on aura des sous, voilà. On fera ça ultérieurement. J'ai pas mal de limousines à vendre, d'ailleurs. Alt S, regardez. Regardez les limousines. Vous voyez, donc, j'en ai quelques-unes qui sont jeunes, mais. Enfin, non, elles sont toutes jeunes, pardon, mais.
On peut en vendre quelques-unes, il n'y a pas de souci. Vous voyez, puis là, elles sont adultes, ça y est, donc elles sont gestantes, donc du coup, elles vont avoir du lait. Donc, on pourra bien évidemment vendre le lait et vendre, bien sûr, comment dirais-je, et vendre des limousines. Voilà, quand bien sûr. Alors là, oui, effectivement, je suis en vue extérieure. Pourquoi? Vous le savez, parce que pendant le live, je joue plus en vue extérieure. Donc, j'ai commencé un petit peu à avancer. Voilà, donc j'ai trouvé pourquoi. La dernière fois, mon micro ne marchait pas bien. En fait, c'était le micro. On entendait le micro de la webcam en même temps que le micro, le Birdie ME. Donc, c'est pour ça que ça fonctionnait pas très bien. Voilà, mais c'est pas grave. Vous ne m'en avez pas tenu rigueur. Et je vous en remercie, les amis. Allez, on va épandre un peu de fumier, comme on avait fait. Voilà, on va continuer l'activité. Puis, on viendra. Vous voyez, j'ai commencé à déchaumer. Donc, on viendra déchaumer un champ ou deux. Un champ, sûrement. Voilà. Attendez, je regarde que. Voilà. Hop. Et ensuite. Oh, là, il y a un arbre, là, garçon. Regardez, on va rentrer par ce côté. Et ensuite, bien évidemment, on continuera les semis parce que c'est important. On est à la période, voilà, où il faut recommencer les semis. Voilà. Donc, alors, c'est vrai qu'on fait un petit peu toujours les mêmes activités. Mais voilà, la série vous plaît énormément. Donc du coup j'ai pas du tout envie de l'arrêter, au contraire, même bien au contraire. Voilà, donc je ferai un live spécial 4K. Donc il manque à peu près 50 abonnés pour arriver au 4K. Je ferai gagner une clé DLC classe à nouveau pendant le live. Voilà. Donc je demanderai peut-être à Pascal ou à Jérémy de venir avec moi en vocal ou à toi, nous voilà. Pour l'occasion. Voilà, vous avez été très très nombreux à nous regarder mardi sur le live de mon petit pote Jérémy. Voilà, merci à vous du fond du cœur pour tous ces beaux retours pour la Farming Family. N'oubliez pas vendredi événement intergalactique intergalactico puisque la map Agri-France sort demain, les amis. Voilà, au moment où je tourne la vidéo, donc j'aurai sûrement reçu même mon stream deck. Donc voilà, donc on fera peut-être un live lundi, ben on fera pas, c'est sûr, même on fera un live lundi. Donc si j'ai atteint les 4K lundi, ben écoutez, lundi vous aurez un d'entre vous aura une clé du DLC classe avec bien évidemment normalement il me semble que j'ai pris, alors j'espère que vous pourrez avoir la petite Dominator avec. Je suis pas sûr, mais bon, ben, ça, voilà. Parce que là, maintenant, on peut plus le précommander vu qu'il est sorti. Donc, c'est pour ça que je préfère vous le dire. Vous aurez peut-être pas l'option, mais l'avantage, voilà, c'est que vous l'aurez gagné. Et c'est quand même le principal. Allez, on va reculer. Oh, ben non, je vais pas reculer, je vais aller là-bas. Vous voyez, ça passe super vite pour les trois petites activités du jour. Voilà, on continue, bien sûr. La suite, après le live en vue intérieure, voilà, vous le savez maintenant, quand je suis en vidéo, je suis en vue intérieure, et quand je suis en live, ce qui est plus plaisant, on va dire, d'être en vue extérieure pour les lives. Voilà, tout simplement. Allez, ah, oh, mais finalement, il y en avait... Ah, monsieur. Allez, on va essayer de... Il en reste encore un peu, donc on va faire le petit champ qu'il y a là. On va tout vider dans ce champ-là, d'ailleurs, les amis. On va pas s'embêter la vie, voilà. Allez, super petit épandeur, hein. Donc du coup, on va, pareil, hein, on évoluera, on essaiera bien sûr de le changer, mais pas de suite, de suite. Hein. On va attendre, voilà. Comme je vous ai dit, c'est vrai qu'il y a un abonné qui m'a fait la réflexion l'autre jour. Donc on est sur une série no cheat, bien évidemment, on ne triche pas l'argent. Donc là, j'ai dû augmenter le crédit pour acheter la Dominator. Parce que pour la simple et bonne raison que je n'avais pas assez, voilà, et puis je la voulais vraiment, regardez, elle est quand même magnifique. Et il nous reste les soja à faire, les amis, on n'a pas fait les soja encore, donc voilà, ils sont en cours de route, ils sont en train de pousser, donc du coup, on fera ça bah, dès qu'ils seront prêts, hein. Je vais regarder, on regardera tout à l'heure le mode saison, mais voilà, on est au fil des saisons, et on est au fil de, voilà, on suit bien évidemment... Bien évidemment, la saison. Voilà, tout simplement. Donc, on récolte ce que ben, le soja. Tiens, on va regarder de suite, les amis. Le soja, vous voyez, il est là. Donc, on va bientôt pouvoir le récolter parce qu'on arrive à la fin, au 8e jour de l'automne, je voudrais dire. J'oserais dire. Et on va bientôt pouvoir le récolter. Et normalement, on devrait pouvoir ainsi le maïs, mais j'en ai pas fait. On a assez d'engrumage, hein, donc on s'en fout un peu. Mais peut-être que la saison 2. Excusez-moi les amis, je suis malade.
et je tenais quand même à vous faire l'épisode, voilà, c'est important, voilà, malade ou pas, on s'en fout. Donc, peut-être que sur la saison 2, on arrivera peut-être à faire un petit ensilage de maïs, on verra, on n'est pas non plus... Donc c'est pas très... Donc j'ai déchaumé tous les champs, donc il n'y a plus qu'à déchaumer ces deux petits champs là. On va en déchaumer un sur deux. Ouais, je pense qu'on va en déchaumer un sur deux. Voilà, on évite. Oula, à chaque fois, il faudrait pas que je me plante dans l'arbre. Donc lui, on va le nettoyer, après on le nettoiera, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Allez, on va le mettre près du... comment dirais-je, du... j'ai toujours pas, alors vous voyez les amis, j'ai toujours pas rentré le plateau. On le fera, ne vous inquiétez pas. On va essayer de faire ça comme ça, vous allez voir, on va essayer de reculer. J'aimerais bien quand même pouvoir le laver. Et après j'irai le mettre, vu qu'on en a plus d'utilité, j'irai le mettre là-bas. Allez, on va le laisser là, c'est pas grave. Hop, hop. Attendez, je vais baisser juste un petit peu le micro, parce qu'il me semble qu'il est vraiment trop fort ce micro, et qu'il sature, et ça me saoule. Allez, on va les déchaumer maintenant, vous allez voir, on va les déchaumer, bien sûr, en vue intérieure. Oh, remarquez le déchaumage, je peux vous faire un plaisir, je peux le faire en vue extérieure. Allez, on va le faire en vue extérieure. Allez, on va rester en vue extérieure pour pas la fin de l'épisode, mais presque. Allez, on va essayer de déchaumer les deux champs, là. On va voir ce que ça donne en vue extérieure. Donc le Liberto, bien sûr, il est disponible. C'est mon petit Toitouan Modding à qui je passe le bonjour, bien sûr, qui l'a mis en DL. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller le télécharger. Voilà, les amis. Pour les infos, donc samedi, on se retrouvera sur la map The All Stream Farm. Mais c'est pas sûr. Et dimanche, je vous prépare, si j'ai le temps, bien sûr, et la motivation. Parce que, comme je suis malade, c'est vrai que la motivation, bon voilà, elle y est, mais bien sûr, elle y est toujours. Mais c'est beaucoup plus difficile pour moi. Je vous prépare une petite surprise. Voilà, je vous prépare un petit. Si j'ai le temps de le monter, je vous prépare le teaser de la future série en multi avec les gars. Voilà, donc il y aura. Je ne mettrai pas de date exacte parce qu'on n'est pas prêt. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail après, quand vous aurez vu le teaser. Voilà, tout simplement. J'espère que vous serez nombreux à le regarder, bien sûr. Et je pense que dimanche, voilà, si j'ai le temps de le monter et de faire le montage et le rendu, bien évidemment, voilà, je vous le sortirai dimanche matin à 10h. Voilà, les amis. Sachant que aujourd'hui, on est mercredi quand je tourne l'épisode là, et que on n'a pas encore, on ne s'est pas encore retrouvé pour tourner le roleplay. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est... voilà, c'est quand même, voilà, on bosse énormément, les gars. Lundi, j'espère qu'on aura les 4K. Et si lundi, on a les 4K, bien évidemment, je vous ferai gagner une clé du DLC. Classe, voilà, tout simplement. Allez, on continue, on déchaume. Voilà, comme ça, tous les champs sont déchaumés. Moi, je les sèmerai, bien sûr, en off. Je ferai un petit accéléré, on n'a pas été de ce côté exprès, là-bas, vous voyez. Mais on ira ultérieurement. Voilà, on va commencer d'abord à faire ce côté-là. Et bien évidemment, là-bas, on s'en occupera, ne vous inquiétez pas. On essaiera de refaire des champs d'herbe, peut-être. Ou si je peux... Ah, mais non, je ne peux pas semer le maïs. Donc, on attendra le printemps. On va laisser peut-être en jachère. Comme ça, la terre se repose. Et peut-être qu'on y sèmera du tournesol, du maïs. On verra en fonction de quoi. Voilà, l'autre côté, là-bas. Tout simplement. Et on viendra peut-être faire de l'herbe, ici. Remarquez. Ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait être pas mal. Alors, c'est un petit peu dommage que le Sulky, là... comment dire, la herse rotative ne marche pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le change et que je mette un semoir herse rotative avec un combiné, un pack combiné herse rotative, par exemple le pack Amazon là qui est super sympa. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie qu'on fasse ça pour la prochaine fois. Et ça doit pas coûter bien cher. Je crois que le Silky en plus il vaut un petit peu d'argent. Donc autant ne pas le garder. Enfin bon, c'est un peu dommage. Parce que vous voyez, là je déchaume. Mais si j'avais la herse rotative, je déchaumerais pas en fait. Vous voyez, je pourrais passer la herse rotative en même temps semer. Donc un gain de temps. Alors c'est vrai que gain de temps, bon, on a le temps, on n'est pas pressé non plus, hein, mais c'est vrai que ça m'éviterait à moi d'y passer 50 fois dans les champs, vous voyez. Bon, même si, plus ou moins, c'est quand même... Dites-moi comment vous faites, les amis agriculteurs, à qui je passe le bonjour, d'ailleurs. Ça fait un petit moment que j'ai pas passé le bonjour aux amis agriculteurs, donc j'en profite. Dites-moi, comment vous faites, vous, dans... comment vous procédez, voilà, tout simplement. Ça donne des indications, voilà.
Voilà. En tout cas, vous avez été nombreux. Voilà, merci pour tous vos retours au niveau du live, même si je sais que le micro n'était pas top. Vous avez assuré, les gars, vous êtes vraiment une communauté, du moins ma communauté. Vraiment, j'ai une communauté en or. Voilà, merci à vous du fond du cœur pour tous ces beaux retours. Voilà, j'ai pas répondu aux commentaires, mais comme je vous ai dit, je suis pas au top, on va dire, au top de ma forme. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, voilà, je vous fais les épisodes. Voyez, je devais même, en général, je tourne le mardi pour le jeudi. Et voyez, j'ai attendu à mercredi pour savoir si ça allait un petit peu mieux ou pas. Vu que je prends, voilà, je me soigne, mais ça passe pas comme ça. Hein. Donc voilà. Bon, mais c'est pas grave. C'est un détail. J'ai pris froid chez Rome, à La Haye, chez mon voisin, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, Rome et Alex. Voilà. Je leur fais un gros coucou. Et je fais un petit bisou, un gros bisou à ma petite Lucie, voilà, tout simplement. Allez, on va pas tarder à se quitter, les amis. On va juste finir le chant ensemble et encore. On va juste faire un ou deux allers-retours supplémentaires, puis on se quittera là, voilà. Je ferai le reste en off, au pire en accéléré, mais quand ça ira mieux, quand je serai un petit peu plus en forme. Voilà. Ah, c'est horrible, je parle du nez, je peux vous dire que dans le casque j'entends tout. J'ai l'impression d'avoir une voix de merde. Une voix de merde. Tout ça. Vous pouvez le dire, les gars. Une voix de merde, excusez-moi. Mais voilà. On lâche rien, on continue. Voilà, merci à vous en tout cas. Voilà, je le dis tout le temps, mais on le dit pas assez, on le dira jamais assez. Voilà, on le dira jamais assez. Allez, un petit épisode. Donc, logiquement, quand l'épisode sortira, je serai pas loin d'avoir reçu le Stream Deck. Et ça me ravit quoi, parce que franchement, wow, gain de temps, gain de et puis qualité quoi. Voilà, qualité. Moi, j'aime bien faire les choses. Vous le savez maintenant. Si c'est pour faire de la merde, je préfère m'abstenir. Je fais pas. Au moins, comme ça, c'est clair. Voilà. Donc, du coup, pour les lives et tout, ça sera quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et ça sera beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Voilà. Parce que c'est quand même agréable de regarder un live. Où il n'y a pas de souci de micro, il n'y a pas de souci d'image, le chat marche bien comme on veut, les animations aussi. Voilà, donc du coup, j'essaierai de mettre le compteur abonné, pourquoi pas. Ce qui me ferait kiffer, les gars, c'est de passer à 4K en live, hein, avec vous. Hein. Ah ouais, là, ça me ferait vraiment kiffer. Hein. Ça m'est jamais arrivé d'ailleurs, parce que du coup, comme je ne peux pas faire de live, ben, ça m'est jamais arrivé. Donc c'est pour ça que ça serait intéressant. Ça serait super, voilà. Allez. Les amis, en tout cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Cell Farmer 12, le cake du soleil. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye!